Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous. Soyez la bienvenue à votre émission Une jeunesse selon le Seigneur. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Aujourd'hui, je suis tout seul parce que le frère Christian n'a pas pu être disponible. Donc, en comptant sur la grâce du Seigneur, bien sûr, nous allons en fait partager au cours de ces moments en fait la parole du Seigneur. Donc, soyez bénis, soyez encouragés. Pour continuer, avant de commencer, en fait, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur, parce qu'on a besoin de lui pour me soutenir. Et ceux qui vont aussi écouter la parole, on a besoin de Jésus-Christ pour tout. On va lever nos voix. Seigneur, je te bénis, toi qui permets ces moments, toi qui permets, Seigneur, ces moments consacrés à la jeunesse. Nous voulons que ce soir, tu nous conduises. Je prie que ce ne sorte de ma bouche que des paroles qui viennent pour encourager, Seigneur, pour sauver, pour transmettre la vie. Je refuse donc toute parole humaine, toute parole vaine, inutile, Seigneur. Mets dans ma bouche tes paroles. Tu as dit, ne vous inquiétez pas des paroles que vous aurez, Seigneur, à dire devant les hommes. Et ce soir, je compte sur toi, Papa. Je crois en cette jeunesse, Papa, que tu veux susciter. Une jeunesse selon toi, une jeunesse, Papa, que tu as mise à part. Alléluia. Et ce soir, Papa, je veux qu'à travers cette plateforme, ici et là, en n'importe quel endroit, Seigneur, que ton nom est invoqué, où des jeunes se mettent à travailler, Papa. Nous aspirons à voir une génération nouvelle, Papa, remplie des dons de l'Esprit, une génération qui travaille, Seigneur, sur le champ que tu lui as signé, Papa. Une génération différente, Papa, qui n'est pas dans l'orgueil, qui n'est pas, Seigneur, dans la délinquance, mais au contraire, qui est humble, Seigneur, qui travaille, remplie de l'Esprit. Une génération des Daniel, une génération des Samuel, des David. Je te prie, Seigneur, nous voulons faire partie de cette armée-là. Fais-nous la grâce d'y participer et c'est un honneur. Seigneur, merci pour ce soir, que ton nom soit béni, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés frères et sœurs, comme vous le savez, je suis le frère Standy et j'ai le plaisir, n'est-ce pas, de vous partager la parole ce soir. Le plaisir est beaucoup plus grand parce que je parle de la personne en fait qui m'a sauvé, je parle de Jésus-Christ. Mon sauveur et mon Dieu, c'est une passion pour moi. Il n'y a aucun sujet qui me passionne autant que de parler de Jésus-Christ. C'est ma raison de vivre et je vais davantage l'aimer. Et ce soir, en fait, je vous invite à méditer ensemble sur ce thème. L'émission, c'est une jeunesse selon le Seigneur. Mais en particulier ce soir, nous voulons méditer sur les paroles de Jésus. En effet, si ce sont mes paroles, elles n'ont pas de valeur en réalité. Les paroles des hommes ne comptent pas. Mais ce soir, je ne veux pas vous présenter la parole d'un homme, pas la mienne, ou de qui que ce soit, du pape, ou d'un apôtre, ou de qui sais-je encore. Mais je vous présente la parole de celui-là, en fait, que vous voulez suivre, comme moi. En tout cas, pour ceux qui sont déjà convertis, ceux qui sont sauvés, et ceux qui fréquentent des assemblées. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite ce soir, j'espère par mes paroles, vous qui recevrez ces paroles, cet enseignement, cet temps de partage en fait chez vous, je vous invite en fait à faire la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, l'homme le plus beau, le plus fort, l'homme qu'il vous faut, l'homme en fait qui résoudra qui mettra votre vie en ordre. Je citais en fait Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, on va aller dans le livre de Jean, Jean 17. Je vais lire à partir du verset, on va dire même 12. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Le Seigneur dit ceci. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin qu'il fût accompli. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. C'est donc le titre de mon partage ce soir, vous n'êtes pas du monde.
les chrétiens, les enfants du Seigneur, vous jeunes, jeunes chrétiens, le Seigneur nous dit ici que nous ne sommes pas du monde. Donc il y a une séparation, il y a une démarcation entre le monde et nous. Ce n'est pas mes paroles, c'est Jésus qui dit. Et nous ferons mieux de faire attention aux paroles de Jésus. Parce que Jésus n'a pris le soin que de dire les paroles qui venaient du Père. Parce qu'il est le Père, Jésus-Christ est Dieu, il est le Père, fait homme. Vous voyez ? Et il dit ici, en priant pour les disciples, alors qu'il était en train de partir, c'est ce qu'on a appelé en fait la prière sacerdotale, en priant pour l'Église, en priant pour ceux qu'il devait laisser, et la prière qu'il fait, et dans ses paroles, il va dire, ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, vous et moi, nous ne sommes pas du monde. Est-ce le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une séparation entre l'Église et le monde? Et je vous invite en fait à faire un constat, à balayer du regard en fait la vie ecclésiastique aujourd'hui, pour savoir en fait si réellement la prière du Seigneur en fait a été accomplie. Et par ces paroles en fait, nous voulons en fait attirer l'attention de ceux qui vont écouter ce soir, en fait pour leur dire qu'il est impossible à un chrétien véritable, il est impossible en fait de demeurer dans le monde et vivre dans le monde. Frères et sœurs, amis, vous qui nous écoutez, vous qui m'écoutez depuis chez vous, vous qui allez me recevoir, Jésus dit, vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes pas du monde. Que signifient ces paroles? Alors, je vais en fait définir ce qu'on peut entendre par le monde. Très souvent, lorsqu'on dit cela, les gens se mettent à rire parce qu'on dit le monde, mais vous faites quoi ici sur terre, etc., etc. Quand on dit le monde, ne comprenez pas ici les appareils, les avions, les téléphones. Ne comprenez pas en fait, ne comprenez pas par le monde ces appareils en fait que nous utilisons. C'est pas ce que le Seigneur veut dire. Quand il dit vous n'êtes pas du monde, Jésus-Christ ne veut pas dire que nous devons commencer maintenant à aller vivre dans les couvents, n'est-ce pas, comme le font les moines. C'est pas le but du Seigneur, vous voyez. Jésus ne veut pas qu'on soit séparé des gens en fait. C'est pas vrai. Ceux qui mènent une telle vie, bon, n'ayant pas compris la pensée du Seigneur, c'est une erreur que de vouloir se retirer complètement. C'est pas d'une manière absolue. Ce n'est pas en fait des hommes. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Mais qu'est-ce que c'est que le monde en fait? Parce que c'est pour avoir mal interprété la parole du Seigneur que beaucoup se trompent, beaucoup se gourent. Et malheureusement pour eux, en voulant comprendre, en voulant obéir à la parole du Seigneur, en fait, ils se méprennent et ils se trompent. Il est important de bien comprendre ce que le Seigneur veut dire. Il dit, vous n'êtes pas du monde. Le monde ici, en fait, dans Jean 3, verset 16, je vais ouvrir la parole. Jean 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Je vais lire pour gagner en temps, pour ne pas perdre du temps. Dans ma version, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ici on voit bien, il y a le mot monde qui revient, et ici, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, on voit que c'est l'humanité, c'est la race humaine. Donc Dieu a donné son Fils pour sauver la race humaine. Mais ce soir, je veux qu'on comprenne le mot monde comme étant un système organisé, n'est-ce pas, dans lequel la crainte de Dieu n'y est pas. C'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de personnes bien organisées, n'est-ce pas, qui vivent en opposition au principe du Seigneur. C'est ce que je veux qu'on comprenne par le monde. Le monde englobe, n'est-ce pas,
le domaine de la musique, ça touche en fait la religion, ça touche la mode, le cinéma, la politique. C'est tout ce système-là dans lequel, ce système qui fonctionne, n'est-ce pas, sans le Seigneur, qui est hostile à Jésus-Christ, qui est hostile à ses principes. Le monde a ses valeurs, n'est-ce pas? Et ces valeurs-là ne sont pas les valeurs du Seigneur. Ces valeurs-là ne sont pas la parole du Seigneur. Donc c'est tout ce qui est hors la parole du Seigneur. Voilà un peu ce que je veux qu'on comprenne par le monde. Donc vous jeunes, le Seigneur dit, vous n'êtes pas du monde. Et parce que vous voulez lui obéir, parce que vous voulez en fait ressembler à Jésus-Christ, je vous le concède en fait. Il dit en fait, vous n'êtes pas du monde. Et donc, le monde ici doit être compris comme étant un ensemble, un système. Vous savez, un système est bien organisé, bien mis en place pour fonctionner, n'est-ce pas, d'une manière indépendante, détachée du Seigneur. Voici ce que c'est que le monde. Ce système, en fait, n'est-ce pas, est bien mis en place, vous voyez. C'est pas tant d'abord physique, il est d'abord, en fait, spirituel, vous voyez un peu. C'est là, il est organisé, bien comme il faut. Et il est en fait bien roué, parce que les hommes en fait vivent à l'intérieur, les hommes en fait subissent le monde en fait, vous voyez un peu. C'est ce que je veux qu'on comprenne par le monde. Et Jésus-Christ dit, vous n'êtes pas du monde, vous voyez. Quand vous voyez le domaine de la musique, la musique, vous savez que beaucoup de gens aiment la musique. Vous voyez, le sport aussi, et en tant que jeune, on s'y retrouve énormément. Parce que on aime écouter la musique, écouter le rap, écouter en fait toutes ces choses-là. On aime suivre la télévision, le sport, on est passionné par ces choses-là. Mais Jésus-Christ dit, et nous rappelle ce soir, que vous, jeunes, vous n'êtes pas du monde. Du moins, à vous qui voulez devenir enfant du Seigneur, disciple du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. C'est important ces paroles-là. Parce que vous pouvez vivre en fait en croyant être dans la vérité, vous voyez, mais vous vous trompez. Vous trompez énormément. Vous voyez. Jésus-Christ priait pour ses disciples, pour ses apôtres, pour l'Église, en leur indiquant le chemin, ce qu'il voulait pour eux. C'est-à-dire qu'ils vivent séparés d'avec le monde. Et ce soir, par sa grâce, j'aimerais qu'on entre en profondeur dans ce thème-là, vous voyez, pour qu'on puisse saisir la pensée de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que le monde a été importé, ou l'Église vit dans le monde vit dans l'Église. En fait, il n'y a plus de démarcation, et c'est étrange. La frontière entre le monde, n'est-ce pas, et l'Église doit être claire et évidente. Parce que ce n'est pas une question de point de vue, mais c'est la parole du Seigneur. Vous voyez, vous n'êtes pas du monde. Il y a un fossé, il doit y avoir en tout cas un fossé entre le monde et les enfants du Seigneur. Chers jeunes, vous qui aimez le monde, vous qui êtes attachés aux choses du monde, il prend plusieurs formes. Le monde, vous voyez, il touche plusieurs domaines, parce que même le domaine de l'éducation, est-ce que vous saviez que même l'éducation, bon, non pas, en fait, loin de moi la pensée, n'est-ce pas, de vous dire que il faut être ignorant, et au contraire, la Bible dit que le manque de connaissances n'est bon pour personne. Je veux quand même vous faire constater, vous faire remarquer que même l'école n'a pas été conçue, mise en place par des gens qui craignaient le Seigneur. Ça a été en fait mis en place par des francs-maçons, n'est-ce pas, pour emmener chez nous la haine de tout ce qui est du Seigneur, tout ce qui est de Dieu, voilà, pour nous rendre incrédules, pour nous rendre athées, vous voyez, parce que quand vous faites l'histoire, vous pouvez comprendre en fait, faire des recherches sur qui a fondé l'école en fait aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en fait, l'éducation, vous voyez un peu. Et c'est important de connaître ces choses-là. Le monde est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le monde?
Premièrement, nous devons comprendre que le monde en fait est sous la puissance du diable. C'est ce qui est terrible. Je dis le monde, en tout cas c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On va lire un texte dans 1 Jean 5 verset 19. 1 Jean 5 verset 19. Jean 5, verset 19. Je vais faire la lecture. Jean écrit, dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ces paroles sont terribles. Mais il ne dit pas une partie du monde, mais il dit le monde entier. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, frères et sœurs, ces paroles, en fait, sont claires. Le monde que vous aimez, dans lequel nous vivons, n'est-ce pas, est sous la puissance du malin. Le diable gouverne ce monde. On va lire un autre texte dans le même sens, dans Jean 16, 11. Jean 16, 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ici, non, c'est bon les frères, merci. Il dit, le prince de ce monde, le diable, Satan, est appelé le prince de ce monde. Ça veut dire quoi ? Son règne s'étend sur tous les domaines de la vie que nous menons, dans lesquels en fait nous sommes aujourd'hui. Je citais en fait le sport. Comment peut-on expliquer que des chrétiens, n'est-ce pas, soient en train d'être passionnés par le sport, par le cinéma, par la télévision, par la mode, par toutes ces choses-là? On nous dit que le monde entier est sous la puissance du diable et que le diable en fait, n'est-ce pas, est le prince de ce monde. C'est qui parle ici? Mais c'est le Seigneur lui-même qui parle, frères et sœurs. C'est le Seigneur lui-même qui parle, cher jeune. Il dit, il reconnaît en fait à quel moment le diable, n'est-ce pas, est devenu le prince de ce monde. Parce qu'il est important de souligner que en fait le monde, à qui Dieu a-t-il confié la gestion du monde? Souvenons-nous dans la Genèse, le Seigneur a confié à Adam la gestion. Donc Adam était le prince, le gouverneur de la terre. Mais une fois qu'il a chuté, qu'il est tombé, il a cédé la gestion, n'est-ce pas, à quelqu'un. On va lire dans le livre de Matthieu 4, 8, il me semble. Le diable, Matthieu 4, 8, le diable le transporta encore. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. La suite, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Regardez un peu une affirmation pareille du diable. Devant qui? Devant Jésus. Il dit que si tu m'adores, je te donnerai la gloire de ce monde, les richesses. Je te donnerai en fait tout ce que tu voudras, mais à une seule condition, que tu m'adores. C'est terrible en fait. Le Seigneur n'a pas dit que ce monde ne t'appartient pas. Le Seigneur, en fait, sait que le diable, en fait, a usurpé, en fait, en tout cas, s'est saisi du monde pour le gérer, vous voyez. Parce que Adam est tombé, le gouverneur de la terre à qui le Seigneur a confié la terre a failli.
Et désormais, c'est le diable qui règne comme le prince de ce monde-là. Vous devez le savoir, que sur le sport, c'est le diable qui règne. Vous devez savoir que dans le cinéma, dans le monde du cinéma, dans l'industrie en fait du cinéma, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est le diable qui règne. Vous devez savoir en fait que dans le domaine de, je ne sais pas moi, de toutes ces choses-là, de l'économie, de la politique, c'est le diable qui règne. Il règne en fait sur ces choses-là. Parce que il y a deux royaumes. Nous ne sommes pas du monde, dit le Seigneur. Nous ne sommes pas du monde. Force est de constater combien de fois les jeunes, les hommes en fait sont tellement attachés au monde. Ils aiment les choses du monde. Ils ignorent que le monde en fait est sous la domination du diable. Et qu'est-ce qui se passe? Ben le diable utilise tous les attraits, tout ce qu'il y a dans le monde, n'est-ce pas, pour nous éloigner du Seigneur. Regardez. Les célébrités, les stars de football, les célébrités aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas, adorent le diable, ont fait allégeance au diable en fait, vous voyez? Et pourquoi le diable donnerait-il à ces hommes-là le pouvoir sur le monde? Beaucoup disent, par exemple en ce qui concerne la musique, qu'ils écoutent seulement la musique en fait, mais... ils s'en foutent quoi, même si les gens qui chantent, là, les artistes en fait ont pactisé avec le diable, eux ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent c'est d'écouter la musique. Ben laissez-moi vous dire que vous faites preuve de naïveté. La Bible dit que Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens verset 11, il dit nous n'ignorons pas ses desseins. Or quels sont les desseins du diable? Le diable veut perdre la race humaine. Le diable veut que, n'est-ce pas, tous les hommes l'accompagnent en enfer parce qu'il est déjà jugé. Jeune homme, vous devez le savoir. Le diable est déjà jugé. Et il sait que sa cause est perdue. Et qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut conduire le maximum des hommes en enfer avec lui. Tout comme il a conduit certains anges qui sont devenus des démons aujourd'hui, n'est-ce pas, dans sa cause, il est en train de recruter, de conduire beaucoup de personnes en enfer. Et donc ce monde que vous aimez tant, n'est-ce pas, la finalité de cela, c'est que vous serez en compagnie du diable. J'ai envie de vous poser une question. Aujourd'hui, vous vous trouvez passionné par les choses du monde, par le sport, par les rêves du monde, par tout ce que le monde en fait propose aujourd'hui. Et lorsqu'on vous parle du Seigneur, vous vous ennuyez, vous ne vous retrouvez pas. J'ai envie de vous poser la question. Si vous allez au ciel, n'est-ce pas que vous serez ennuyé? Parce que ferons-nous au ciel? Au ciel, nous passerons l'éternité à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous passerons l'éternité à chanter des cantiques à la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au ciel, nous aurons l'opportunité, la grâce de vivre en compagnie, n'est-ce pas, de ces hommes saints qui ont vécu de tout temps, de tous les siècles. Ces hommes qui ont refusé le péché, ces hommes qui ont combattu le bon combat. Nous serons avec Paul, Pierre, Jacques, Jean, avec Abraham, avec Jérémie, avec Noé. Nous serons avec ces hommes-là. Et ils vont nous raconter quelle était leur vie sur terre, combien de fois ils ont mené le combat de la foi. Ils vont nous parler en fait de leur lutte, de leur défaite, mais combien de fois ils ont été vainqueurs, en fait, ils ont triomphé du monde. La Bible dit en fait que qu'est-ce qui triomphe du monde si ce n'est notre foi? Ils vont nous entretenir. Combien de fois ils ont refusé, n'est-ce pas, de se plier, de se conformer au siècle présent. Mais vous, qu'allez-vous faire? Au ciel, il n'y aura pas Fali Poupa. Il n'y aura pas des boîtes de nuit au ciel. Ça, je vous le dis. Au ciel, n'est-ce pas, il n'y aura pas l'ambiance que vous trouvez ici. Ça, je vous le garantis. Au ciel, qu'est-ce qu'il y aura? Des cantiques à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Il y aura de la joie. Il y aura en fait, n'est-ce pas, l'amour du Seigneur. Il n'y aura que ça en fait. Nous ne vivrons que de ça. La Bible dit que nous serons comme des anges. Nous passerons le temps, n'est-ce pas, à contempler celui qui nous a sauvés. Nous allons comprendre et méditer l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Comment un Dieu saint, n'est-ce pas, comment le Créateur de toutes choses a pu quitter le ciel pour venir parmi les hommes pour les sauver. Nous allons essayer de comprendre comment il a fait pour des personnes telles que nous. Nous n'en valions pas la peine, mais il a fait. Jeune homme, je vous pose la question. Au ciel, est-ce que vous serez, n'est-ce pas, heureux d'y être?
Je pose la question parce que vous serez comme un intrus en réalité. Si dès à présent, vous ne vous affectionnez pas aux choses d'en haut, comme il est dit dans Éphésiens 3, comme il est dit en fait, Éphésiens, Colossiens 3, si vous ne vous y attachez pas maintenant aux choses d'en haut, comment allez-vous au ciel en fait aimer ces choses-là? C'est pas possible. C'est maintenant. Vous allez me dire, ben le Seigneur va nous changer. Ben laissez-moi vous dire que si Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ ne vous change pas maintenant, s'il ne change pas votre cœur maintenant, il ne vous changera plus jamais. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Après la mort, il sera trop tard. Frères et sœurs, le Seigneur a dit que Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. D'ailleurs, quelle espérance avez-vous de croire que après votre mort, il va vous changer? Quand pendant votre vie, vous voulez vivre comme vous voulez. Mais beaucoup de gens, en fait, veulent profiter de leur jeunesse. Ils disent, on est encore jeune. Ils pensent que c'est le temps, en fait, pour eux de faire un maximum de désordre. En fait, ils veulent profiter au maximum des choses du monde. N'est-ce pas? Cette vie d'ambiance, cette vie de sortie, cette vie est de vive allure. Vous voyez? Ils ne veulent rien entendre. Ils aiment le monde, quoi que vous en dites. Vous savez, on leur a dit qu'en réalité, un chrétien ne peut pas s'attacher aux choses du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont importé le monde dans l'église. Désormais, ils sont à l'aise dans l'église parce que le monde s'y retrouve. Et c'est terrible. Ces faux chrétiens, ces jeunes-là qui ne veulent pas se convertir, qu'est-ce qu'ils font? Ils feignent d'être des chrétiens. Ils font semblant d'être des chrétiens dans la maison du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ben, ils veulent changer les prédicateurs. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, en fait. Voici en fait la génération que nous avons aujourd'hui. Jeune homme, vous devez vous convertir, vous devez changer. Vous devez en fait laisser le Seigneur vous transformer, vous changer. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. Parce que demain, il peut être trop tard. Parce qu'après la mort, une chose est sûre, votre sort est scellé. Vous devez le savoir, jeune homme. Le monde entier est sous la puissance du diable. On n'a pas dit une partie du monde, on n'a pas dit un domaine du monde, mais le monde entier. Le monde entier. Et le diable est le prince de ce monde. Frères et sœurs, ne soyons pas naïfs. Vous qui m'écoutez, vous regardez la politique pour avoir une solution au problème de notre génération. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Tournons les regards vers Jésus-Christ. Il est la solution, le roi des rois, le roi des nations, en fait. Elle émane, elle vient de lui, la solution. Jésus-Christ est la solution, le prince de vie. Est-ce que vous voyez? Parce que le monde, le diable gouverne en fait. Il dit tous les royaumes de la terre. Il n'a pas dit excepté l'Afrique, excepté la France, excepté le Gabon, excepté le Cameroun, excepté. Ce n'est pas vrai. Il règne partout. Le système qui est mis en place, n'est-ce pas, fait en sorte que tout le monde s'y plie. Donc, où vous êtes dans le monde, vous êtes hors du monde. Quelle est votre position? Vous ne pouvez pas être dans une position intermédiaire, n'est-ce pas? Un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. C'est ainsi que Jésus-Christ dit, puissiez-vous être chaud ou bouillant, sinon je vous vomirai. Beaucoup de chrétiens sont vomis, beaucoup de personnes sont touchées par l'amour du monde. Frères et sœurs, le monde nous a tellement attachés. Mais où est cette race mise à part? Parce que la Bible dit qu'en regardant les chrétiens vivre, n'est-ce pas, les disciples vivent du moins, dans le livre de Actes 11, ils vont dire que ce sont des chrétiens, c'est-à-dire ils étaient tellement à part, ils ne se mélangeaient pas. Mais aujourd'hui, il y a un tel mélange, il y a une telle affiliation avec les choses, avec la vie du monde. On en vit le monde. Comment pouvez-vous expliquer que le peuple que le Seigneur a sauvé, a racheté, n'est-ce pas, du péché? Mais c'est ce monde-là qui en vit, n'est-ce pas encore, la vie du monde. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est à croire qu'aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue en fait une vie fade, que c'était inutile en fait pour le Seigneur de nous sauver. De nous sauver en fait du péché, de la vie du monde. Parce que le monde, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je disais que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. L'autre chose en fait que vous devez comprendre, jeune homme, jeune femme, c'est que le monde nous est. Pourquoi d'abord? Parce que le monde est le Seigneur. Le monde est le Seigneur. On va lire un texte dans le livre de Jean 7. Jean 7, 7. On a beaucoup lu dans le livre de Jean aujourd'hui. Hein. Jean 7, 7, que c'est la bonne référence.
Jean 7:7. Il dit, le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Waouh. Jésus-Christ dit que le monde le hait. Le monde hait Jésus-Christ de Nazareth. Le monde hait Jésus-Christ de Nazareth. C'est terrible parce que si vous suivez Jésus-Christ, le monde finira par vous haïr. Le monde finira par ne plus vous aimer. Pourquoi ? Ben parce qu'il est hostile à tout ce qui est lumière. Le monde est les valeurs qui sont incarnées, n'est-ce pas, par le Seigneur Jésus-Christ, parce que le monde ne supporte pas. Il est dit que la lumière est venue dans le monde et le monde a préféré les ténèbres. Ils ont volontairement et délibérément rejeté la lumière qui est Jésus-Christ. Et parce que, n'est-ce pas, cette lumière vous a allumé. Alléluia. Savez-vous que quand vous vous êtes converti, le Seigneur a déposé de sa lumière en vous. Désormais, vous éclairez les ténèbres, c'est-à-dire tout le mode de vie, n'est-ce pas, qui est anti-scripturaire, qui est en fait, qui s'oppose à la vie de Dieu. Vous êtes, n'est-ce pas, la démonstration du contraire. Vous êtes la preuve qu'il est possible de vivre dans ce monde en étant intègre, en étant, n'est-ce pas, à part. Votre lumière irradie et claire. Pourquoi nous faut-il rester dans le monde? Parce que par notre lumière, nous apportons la vie, nous apportons en fait la clarté, nous assaisonnons les endroits où nous sommes. Alléluia. Là où il manque la paix, la joie, là où il manque en fait, n'est-ce pas, de l'éclaircissement, là où il manque, n'est-ce pas, de l'encouragement, par votre vie, votre témoignage, vous apportez la solution. Alléluia, c'est le but du Seigneur, pourquoi il allume nos vies. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, sous le boisseau. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut qu'elle éclaire. Nous sommes la lumière du monde. Si vous retirez toute la lumière qui est dans le monde, il sera complètement plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi aujourd'hui, certes le mal, n'est-ce pas, a un niveau très élevé, vous voyez, mais il arrivera un temps, frères et sœurs, alléluia, il arrivera un temps où tous les chrétiens, tous ceux qui ont la lumière, n'est-ce pas, ils vont être enlevés, ils vont partir, ils seront, n'est-ce pas, en présence de Jésus-Christ. Et le monde sera, n'est-ce pas, plongé complètement. Le diable, n'est-ce pas, aura complètement la même mise. Aujourd'hui, il y a encore quelques freins parce que l'Église est encore là, parce que nous sommes encore sur cette terre. Le diable a des freins. Mais regardez tout de même comment il travaille. Quelle liberté il a. C'est terrible. Le diable, n'est-ce pas, le monde est. Pourquoi ? Frère, il y a deux sources d'inspiration. Ne vous y trompez pas. Soit les hommes sont inspirés par le Seigneur, soit ils sont inspirés par le diable. Le diable inspire, je dis, dans le monde, la mode. Regardez un peu comment les hommes courent après la mode. C'est terrible. Les femmes. Pourquoi est-ce que toutes les jeunes filles veulent, n'est-ce pas, devenir brunes? C'est un problème, en fait, moi, qui me choque. Pourquoi est-ce que vous décapez la peau, mes sœurs, jeunes filles? Vous n'avez même pas encore 20 ans, vous commencez à mettre des produits sur vous pour vous éclaircir. Qui vous a dit de faire cela? Pourquoi? Vous êtes influencé, vous ne voulez pas l'admettre. J'ai croisé un jour un jeune dans un taxi, je lui ai demandé, jeune, mon frère, pourquoi est-ce que tu teins les cheveux comme ça? Pourquoi est-ce que tes oreilles sont percées? Pourquoi est-ce que tu t'es tatoué comme ça? Il dit, il ne sait même pas pourquoi. Il a juste fait comme ça parce que ça lui faisait plaisir. Je dis, mais écoute, tu subis l'influence démoniaque derrière la mode. Qu'est-ce qui inspire la mode? Pourquoi les gens se mettent à mettre une chaîne, n'est-ce pas? Une chaîne au pied. Je ne sais pas moi. Pourquoi ils n'ont pas mis ça là? Ils n'ont pas mis une chaîne à la main. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Jeune homme, ne vous arrimez pas. Ne faites pas seulement parce que vous voyez les autres faire. Et c'est curieux. Quelqu'un fait et tout le monde suit. C'est ce qu'on appelle en fait les moutons de Panurge. Excusez-moi pour l'expression, c'est une réalité. Parfois, vous avez du mal à expliquer les choses, vous les faites seulement. Il y a comme, n'est-ce pas, une puissance qui vous attire à le faire. Et vous subissez cela. Parce que le groupe dans lequel vous êtes, tout le monde le fait. Parce que autour de vous, tout le monde le fait. Vous dites, je suis en marge. Je suis, n'est-ce pas, exclu. Et pour m'identifier à cela, il faut que je fasse comme tout le monde.
Vous vous trompez. Le diable tient le monde et il inspire les hommes, n'est-ce pas, à se détourner du Seigneur. Il inspire la mode, il inspire toutes ces choses-là pour crier, n'est-ce pas, en vous la haine du Seigneur. Le monde est le Seigneur, le monde a la haine. C'est pourquoi, jeunes chrétiens, vous qui venez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, ne soyez pas étonnés que les hommes ne vous comprennent pas. Ne soyez pas étonnés que le monde puisse vous haïr. Et vous allez dire, mais quel mal j'ai fait? Alors que vous essayez de vivre dans l'intégrité, dans la sainteté, mais les hommes vous détestent quelquefois. Vous êtes comme parfois, vous vous sentez isolé, vous vous sentez en fait seul. Vous demandez qu'est-ce qui se passe? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils ont commencé par haïr votre maître avant de vous haïr. Et s'ils ont haï Jésus-Christ, ils vous haïront certainement. C'est une bonne nouvelle parce qu'il dit, s'ils vous haïssent à cause de mon nom, heureux êtes-vous. Heureux sommes-nous. Jeunes chrétiens, soyez encouragés. Jeunes chrétiennes, soyez encouragés de ce que vous aimez les hommes et les femmes, vous aimez les hommes, en fait, mais malheureusement, ils vous rendent le mal par le bien. Voyez, vous rendez serviable, mais ils vous haïssent. Vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Quel mal j'ai fait? Ce n'est pas que c'est vous, mais en fait, c'est parce que vous représentez le Seigneur sur cette terre, parce que vous êtes un disciple de Jésus-Christ et il veut le rejeter. Il le rejette. On va lire un texte dans le livre de Luc 19, verset 14. Il a dit ceci, Luc 19, verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. J'aime cette expression-là. Ils disent clairement, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas. Donc le monde, c'est un ensemble d'individus, de personnes qui se sont rassemblées, n'est-ce pas, pour refuser le règne du Messie, le règne de Jésus-Christ. Ils refusent que Jésus-Christ leur dise ce qu'il doit faire. Ils refusent en fait d'être assujettis au règne du Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le monde, n'est-ce pas, a encore cette liberté d'être gouverné ici et là. Les hommes, n'est-ce pas, les rois gouvernent le monde, n'est-ce pas, inspiré par le diable. Mais il arrivera un temps où le Seigneur lui-même va reprendre, n'est-ce pas, le contrôle des nations. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a le désordre? Beaucoup de gens accusent le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que Dieu laisse faire? Pourquoi? Regardez le mal qu'il y a dans le monde. Je vous dis, les hommes ont refusé le règne du Seigneur et ils accusent encore le Seigneur. Et même ils ont voulu s'affranchir, n'est-ce pas, du règne du Seigneur. Parce que c'est quoi le règne du Seigneur? Ben, le règne du Seigneur, n'est-ce pas, c'est là où il est totalement accepté. Vous voyez, ici, c'est une image en fait pour nous faire comprendre que là où Jésus-Christ n'est pas accepté, il ne veut pas s'imposer. Quoi qu'il peut le faire, mais il ne veut pas s'imposer. Jésus-Christ respecte votre volonté, il respecte vos choix. Jésus-Christ, en fait, n'est-ce pas, se plie à ce que vous lui dites. Si vous dites, Seigneur, je ne veux pas que tu règnes sur moi. Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne force pas, parce qu'il est galant. Alléluia. Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne force pas la porte. Il ne connaît pas la brutalité. Il y a tout sauf la brutalité. Alléluia, frère. Jamais, n'est-ce pas, il n'a fait couler le sang de quelqu'un. Jamais il n'a menacé quelqu'un. Je me dis, mais qui était-il ce Jésus-Christ? Seigneur, s'il te plaît, nous voulons te connaître. Nous voulons connaître qui tu étais, papa. Nous voulons te rencontrer. Il n'a jamais menacé quelqu'un, vous voyez? Jésus-Christ ne fait pas de chantage pour qu'on le suive. Non, Jérémie dira, tu m'as séduit, tu m'as conquis. Jésus-Christ fait la cour de la même manière qu'un homme, n'est-ce pas, drague. N'est-ce pas? Une femme. Jésus-Christ sait parler. Quelqu'un a dit, jamais homme n'a parlé comme toi. Frère, si vous avez entendu des paroles en fait, qui venaient pour vous rabaisser, vous humilier, je vous assure, venez écouter Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-le, vous saurez que jamais homme n'a parlé comme lui.
Cette femme-là a écouté Jésus. Elle avait écouté les hommes, cette femme samaritaine, dans Jean 4. Elle avait écouté les hommes. Plusieurs personnes, en fait, lui avaient parlé. Mais jamais homme ne lui avait parlé comme Jésus-Christ de Nazareth. Frère, quand il te parle, tu te sens pénétré à l'intérieur parce que ses paroles sont esprit et vie. Parce que ses paroles te font comprendre le sens de ta vie, de ton existence. Je réalise que mince, je suis jeune. Il ne me faut pas perdre plus de temps, en fait, que j'en ai déjà perdu. Oui, jeune homme, jeune femme, vous qui m'écoutez, je vous assure, il vous faut écouter Jésus-Christ de Nazareth. Il vous faut l'écouter. Comment ? Par sa parole. Par sa parole. Ils disent, nous ne voulons pas que celui-ci, ils ont rejeté le règne. C'est pourquoi il est dit en fait dans la prière là-bas de le Seigneur a enseigné, que ton règne vienne. Parce que pour l'instant, nous, le règne du Seigneur dépend de nos prières, de notre action aussi. Mais il arrivera un temps, la Bible dit que ses ennemis seront son marchepied. Écoutez ces paroles, hein. Elles ne sont pas les miennes. La Bible dit qu'il arrivera un temps où les ennemis du Seigneur seront son marchepied. Il dit, je le jure par moi-même, mes ennemis, il fera. Je vais lire ce texte-là, au risque de le déformer. C'est quoi ? Je vais le prendre, c'est Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2. Là, je trouve le Philippiens 1. J'y suis. Philippiens 2. C'est écrit dans le verset 9. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Voici, frère. C'est-à-dire que tout genou finira par fléchir devant le Seigneur en confessant qu'il est le Christ, en confessant, en reconnaissant son règne. Vous savez, le diable, n'est-ce pas, lui-même finira par confesser la seigneurie de Jésus-Christ, de gré ou de force. J'allais dire de force parce que le diable, c'était un râleur, un délinquant, un bandit. Vous voyez ? Et tous ceux qui s'opposent à Jésus-Christ, frères et sœurs, dans quel camp vous serez ? Vous qui m'écoutez, amis, chers jeunes, parce qu'il arrivera un temps où, n'est-ce pas, son règne va s'établir sur vous, de gré ou de force. Je préfère que ce soit de gré, parce qu'en réalité, pour l'instant, nous avons encore la liberté. Nous avons la liberté d'accepter ou de refuser, n'est-ce pas, pour l'instant. Mais il arrivera un temps où le règne du Mashiach, du Messie, s'imposera et vous serez, n'est-ce pas, quoi qu'en boudant, quoi qu'en râlant, n'est-ce pas, quoi qu'en ne le désirant pas, de reconnaître que ce soit en enfer ou au ciel. Je ne vous le demande pas, c'est une vérité indubitable, indiscutable, que ce soit au ciel où les anges adorent le Seigneur, sont sous son règne, sont éblouis par sa puissance, par son humilité, sa personne, où nuit et jour, la Bible dit, disent saint, saint, saint le Seigneur, que ce soit en enfer, n'est-ce pas, là-bas encore, frère, vous serez obligé de reconnaître la suprématie, la grandeur de Jésus-Christ. Ça, je vous le garantis. De quel camp serez-vous ? Frère, on dit ses ennemis. Alors, il se trouve en réalité que beaucoup d'entre vous ne savez pas en fait que vous êtes des ennemis du Seigneur. C'est ça en réalité. Parce que vous vous dites que ben, quand on parle des ennemis du Seigneur, vous voyez seulement les athées, vous voyez seulement les grands brigands. Vous ne vous voyez pas, vous vous êtes épargnés. Vous voyez vraiment que c'est les autres seulement. C'est ce qui est drôle. Et c'est parce que beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi. Ils pensent qu'ils ne sont pas en fait concernés par ces paroles-là. On va lire Jacques 4. Jacques 4.
Il dit ceci. Verset 4. Jacques 4, 4. Jacques 4, verset 4. Merci. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, au verset 5 et le verset 4, la Bible dit, celui qui aime le monde, c'est-à-dire celui qui accueille, qui accepte, celui qui aime le monde, qui reçoit le monde, l'amour du monde dans son cœur, il se rend de facto, n'est-ce pas, ennemi. Il est en inimitié. Il est en conflit frontal. Il est directement. C'est un choix, frère. Celui qui aime le monde ne peut pas à la fois aimer le Seigneur. Je vous mets dans une position où vous devez choisir entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Il dit, ils seront ennemis de Dieu. Donc les ennemis de Dieu, ce ne sont pas seulement, n'est-ce pas, ceux qui font les crimes rituels, n'est-ce pas, les homosexuels, ce ne sont pas seulement les hommes qui, n'est-ce pas, qui assassinent les autres. Non, ce n'est pas seulement ça. Il dit, ne serait-ce que l'amour du monde dans votre cœur fait de vous un ennemi de Dieu. Frères et sœurs, au même titre que ces hommes-là, n'est-ce pas, que vous jugez être coupables, plus que vous. Vous aimez le monde, jeune homme. Vous vous faites ennemi de Dieu. L'amour du monde crée l'inimitié, autrement dit, l'animosité, la haine, la colère de Dieu sur vous, parce que vous aimez le monde. Vous devez le comprendre ce soir. L'amour du monde, n'est-ce pas, fait de nous des adultères devant le Seigneur, parce que nous avons reçu non pas l'amour, non pas l'esprit du monde, parce que le monde a un esprit, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Quel esprit avez-vous reçu? J'ai envie de vous demander, n'est-ce pas, parmi la foule des témoins, la Bible dit que nous sommes entourés par une foule de témoins. Auquel des chrétiens ressemblez-vous? Parce que tous les chrétiens, n'est-ce pas, ont eu à lutter, à sortir du monde. Il nous faut, n'est-ce pas, nous en séparer. Jésus-Christ dit, vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Et comment? Vous savez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vivent, n'est-ce pas, la vie de chrétien, mais leur cœur, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, leur corps est avec le Seigneur, mais leur cœur est dans le monde. Donc, ils sont malheureux. Ils sont tristes. Ils vivent une vie malheureuse. Pourquoi? Le Seigneur dit, là où est ton cœur, non, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. En fait, leur trésor est dans le monde. Du coup, quand ils sont ici, c'est parce qu'à la fois, ils veulent aller au ciel, mais en fait, ils ont plus peur du jugement du Seigneur, n'est-ce pas, qu'ils ne l'aiment. Et du coup, ils veulent, est-ce que ce n'est pas possible de joindre les deux à la fois? Voici dans quel dilemme ils se trouvent, dans quel embarras ils se trouvent. Et c'est comme ça qu'ils sont tristes et malheureux. Vous voyez des chrétiens aujourd'hui, quand vous les regardez, vous savez que la joie du salut, ils ne la connaissent pas. Jeune homme, vous voyez, ils ont importé le rap parce qu'ils savent qu'aller en boîte de nuit, c'est plus bon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font copain-copine dans l'église. C'est dans la présence, c'est dans l'église du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont importé le monde. Ils ont enlevé la barrière, la frontière qu'il y avait entre le monde et l'église. Ils ont enlevé cela pour dire qu'on doit se mêler, on doit se mélanger. En fait, c'est un gros mensonge que de dire qu'il faut ressembler au monde pour évangéliser. C'est un gros mensonge. D'ailleurs, depuis que vous faites cela, combien d'âmes avez-vous réellement gagné? Je ne parle pas des adhérents, je ne parle pas en fait, n'est-ce pas, des fanatiques ou des prosélytes. Je parle des disciples.
Jamais un disciple ne peut être bâti s'il reste attaché, si vous l'enseignez l'amour du monde. Nous devons sortir le monde de l'église. Nous devons sortir le monde de nos cœurs. Oui, frère, c'est la vérité. Si nous laissons le monde habiter dans nos cœurs, nous sommes des adultères, nous sommes des menteurs, nous sommes ennemis du Seigneur. Oui, le Seigneur veut le règne de nos vies. Jeunes, Jésus vous invite ce soir à vomir le monde. Oui, il est... quand vous voyez là, le Seigneur dit, le zèle de ta maison me dévore. Mais quand vous voyez la passion que ces jeunes dégagent, n'est-ce pas, en commentant le sport, le football, le basket, vous voyez combien de fois ils sont dans la chose. Je ne condamne pas systématiquement ces sports, hein. Comprenez-moi. Mais je dis, l'amour qu'ils ont pour ces choses-là, n'est-ce pas, l'intérêt qu'ils développent est de loin supérieur à l'amour qu'ils devraient avoir pour Jésus-Christ. Que dire des serviteurs, des jeunes que le Seigneur a connus, comme des Joseph, comme des David, n'est-ce pas, qui ont vécu en leur temps en tant que jeunes et qui ont marqué leur génération. Que dire d'eux? Nous avons énormément honte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous caractérise en tant que jeunes chrétiens? C'est juste le nom. En fait, nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous aimons? Nous aimons le monde, nous aimons le sport. Vous voyez? Notre ambition. Le monde véhicule quoi? Quand vous, à la télévision, le cinéma, ces artistes-là, comme je disais tout à l'heure, ils ont été en fait mandatés par l'ennemi, par le diable. Pour faire quoi? Pour nous perdre, pour vous perdre, pour perdre votre âme. Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Vous devez comprendre. Jésus dit, que sert-il un homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme? Vous voyez? Le diable peut vous donner tout le succès dans vos affaires. Le diable peut vous élever. Vous pouvez être une célébrité, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Vous faites de longues études. Mais à la fin, si vous perdez votre âme, à quoi cela vous aura-t-il servi? Je vous pose la question. Mais asseyez-vous un instant, réfléchissez-y. Jeune homme, jeune femme, ce soir, cette parole est devant vous. Cette parole vous indexe. Mais de manière personnelle, je m'adresse à quelqu'un de manière spécifique. À toi qui m'écoutes ce soir, je te demande, si tu gagnes le monde entier, tu cours après les plaisirs du monde. Il y a une autre chose, n'est-ce pas, qui caractérise le monde. Une autre chose. C'est laquelle? On va lire un texte dans 1 Jean 2, verset 17. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi passe. Il dit, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors que vous êtes, n'est-ce pas, dans une période de votre vie où vous devez faire des grands choix, où vous devez en fait vous définir, vous devez, n'est-ce pas, orienter, projeter votre vie, n'est-ce pas? Vous êtes à un moment, hein, au carrefour de votre vie, à une période de votre vie où vous devez avancer, n'est-ce pas, selon les choix que vous avez faits. Voici une vérité que vous devez retenir. Que si vous choisissez de suivre le monde passe. Oui. Ça veut dire quoi? Les choses qui ont pour vous de la valeur, qui sont la mode, pour lesquelles, combien de filles, n'est-ce pas, ne sont pas sorties avec des hommes, couchées avec des hommes, mariées, ici et là, parce qu'elles voulaient avoir un gros téléphone, parce qu'elles voulaient avoir la dernière chaussure. Les lycéennes ici et là, elles ont couché avec... Pourquoi? Parce qu'elles voulaient un bien de ce monde, parce qu'elles voulaient quelque chose. Elles ont vendu leur corps, elles ont vendu aujourd'hui. Frère, combien de personnes ne regrettent-ils pas, n'est-ce pas, d'avoir commis cet acte-là, d'avoir fait cela? Le monde passe, vous devez retenir. Ce qui aujourd'hui est estimé des hommes, l'iPhone, le dernier iPhone, moi je ne sais pas moi, les voyages que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez avoir, sachez-le, le monde passe. Ce qui était à la mode dans les années 70, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils se battaient, vous voyez? Mais aujourd'hui, où en sont-ils? Où en sommes-nous? Frère, la Bible dit que c'est celui qui fait la volonté du Père qui demeure, oui, éternellement. Donc avant de courir après ces choses-là, sachez que courez-y, si vous voulez bien. Mais le monde passe.
Ah oui, ces choses ont une fin. Frère, je n'ai pas envie que vous vous retrouviez un jour si je savais à quoi cela m'a-t-il servi. Il y a quelqu'un qui a dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. C'est le roi Salomo. La Bible dit qu'il n'a privé son cœur en rien. Tous les plaisirs de la terre ici est livré. Frère, je vous invite, n'est-ce pas, que l'expérience vous parle. Regardez autour de vous ceux qui ont vécu une vie de débauche, une vie mondaine approfondie, mais vraiment qui ont eu des diplômes. Approchez-vous d'eux et tirez-en des leçons. Que dire de cette fille, n'est-ce pas, qui, au lieu de faire les études, elle voulait seulement la facilité, elle voulait coucher avec des hommes. Aujourd'hui, elle a 3-4 enfants, elle ne travaille pas. Et allez, rapprochez-vous d'elle, jeune fille, pour lui demander comment tu te sens aujourd'hui, comment tu étais. Cette fille qui était belle, très belle, mais que les hommes couraient après. Elle narguait les gens. L'homme de sa vie est passé, mais parce qu'il n'avait pas d'argent à l'époque, elle a dit non. Elle courait après un homme marié, un homme qui était directeur ici et là, qui avait une grosse voiture. Aujourd'hui, on est-elle? Elle a peut-être le sida. Jeune sœur, rapprochez-vous d'elle pour avoir un pour en fait comprendre le sens de la vie. La Bible dit que le monde passe. Vous passez avec le monde. Ne courez pas après les choses. Vous savez, le monde, c'est quoi? C'est un peu comme l'horizon. Quand vous êtes là, vous pensez que c'est proche. Quand vous avancez, ben c'est encore loin. Vous approchez, c'est encore loin. Voilà. Rapprochez-vous, jeune homme, jeune garçon, n'est-ce pas, de ce jeune-là. Alors qu'on lui demandait de faire, il se croyait suffisant. Il a refusé d'étudier, il a refusé de correctement travailler. Aujourd'hui, il a 2 enfants, il ne travaille pas. Regardez comment il se néglige maintenant, comment c'est difficile pour lui. Il va accuser les parents, accuser les sorciers ici et là, machin. Mais sa vie est compliquée. Il est le seul à porter le fardeau, le seul à porter en fait cette difficulté-là. Voulez-vous lui ressembler? Ça n'engage que vous. Cela n'engage que vous. Et oui, peut-être que la mort, n'est-ce pas, traîne, mais je vous assure que la vie vous enseignera vos conséquences. Vous serez malheureux sur cette terre et malheureux en enfer pour l'éternité. C'est triste. Je vous dis qu'aujourd'hui même, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont fait des très mauvais choix. Et cela leur pèse. La vie est compliquée pour eux. Oui, je vous dis. Elle était belle. Aujourd'hui, vous la voyez, elle ressemble à une vieille. Elle est complètement fanée. Je dis, mais c'est elle, cette fille-là. Mais tout le quartier voulait d'elle. Mais comment elle était remplie d'orgueil, suffisante. Vous ne pouvez pas lui parler. Elle narguait tout le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-elle devenue? Le monde passe. Frères et sœurs, le monde aura une fin. Le monde tel que vous le voyez, avec sa beauté-là, ces choses ne sont que futiles, en fait, aux yeux du Seigneur. Futiles. Oui, les vrais enfants du Seigneur craignent et fuient le monde. Alors que le monde et tous ses attraits, ils ont compris que ce monde-là, n'est-ce pas, ils n'en sont pas dignes. Et tout cela, n'est-ce pas, ils ne veulent pas s'y attacher. Oui, je dis que le Seigneur, Paul dit quoi? Que ceux qui usent du monde, n'est-ce pas, soient comme n'en usant pas. Je ne dis pas que, comme je disais tout à l'heure en introduction, à l'entame de ce partage, que je ne dis pas que les appareils, les avions, tout ça, ce sont des choses utiles. Vous voyez, il ne s'agit pas de vivre en fait comme au temps antique, au temps de Jésus-Christ, n'est-ce pas, où vous marchiez, où vous étiez, c'est pas de ça qu'il est question. On profite des choses du monde pour autant que cela nous est nécessaire, que cela nous est utile, sans, n'est-ce pas, être esclave de ces choses. Oui, il est écrit que je ne me laisserai pas servir, assujettir par ces choses-là. Je refuse les réseaux sociaux, les médias, je refuse d'être assujetti par ces choses-là. Vous voyez, j'en use pour autant que cela m'est nécessaire pour mon travail, pour mes études, n'est-ce pas, pour communiquer ici et là, j'en use, tout simplement. Frères et sœurs, le monde et sa corruption, le monde en fait passera. Il y aura une fin. Le monde après lequel vous aurez couru, celui qui a créé ce monde mettra fin un jour, je vous assure. Ça ne dépend pas de vous. Le monde a été créé, vous n'étiez pas encore là. Vous partirez, vous laisserez le monde. Ou bien, à un moment donné, le Seigneur, comme il est écrit en fait, le monde, on parle de la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Voulez-vous finir avec le monde en fait? Dans l'éternité, dans un lac de feu. Je ne vous le souhaite pas, jeune homme. Je ne vous le souhaite pas, jeune fille. Jésus-Christ vous aime, je tiens à vous encourager. Je tiens énormément à vous encourager. Je vais revenir dans Jean, les versets plus haut, dans Jean 1, 2, verset 15. Il a dit, n'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde. Ce passage revient. De ne pas aimer le monde. Pouvons-nous évaluer notre amour pour les choses du monde? C'est facile. Comment fait-on pour connaître un homme? Vous savez, après avoir fait une heure, deux heures, trois heures avec quelqu'un, vous pouvez plus ou moins avoir une idée sur lui. Certes, vous pouvez vous tromper, mais vous avez une idée quand même. Quand il parle de ses passions, ses occupations, vous voyez combien de fois il est heureux d'en parler, il se retrouve, ses centres d'intérêt. Vos joies, où sont vos joies? Vos joies sont-ils dans le monde? Aimez-vous les choses du monde plus que le Seigneur? Plus que lire la parole? Trouvez-vous pénible, difficile, n'est-ce pas, d'être avec les frères et soeurs qui craignent le Seigneur? Avez-vous de la peine à prier? Mais quand il s'agit de le suivre, voici un autre... Et comment on peut passer des heures et des heures devant la télévision, n'est-ce pas, devant votre écran, et 35 minutes devant le Seigneur, et vous dites que vous aimez le Seigneur? Vous êtes un menteur, vous mentez à vous-même. Je dis, vous mentez à vous-même. Il y a un problème en fait, vous avez un problème, je vous assure. L'amour du monde est dans votre cœur. Parce que l'amour du monde en fait, fait quoi? Ça vole en vous, je parle de ceux qui sont déjà convertis, ça vole en vous, n'est-ce pas, la vie du Seigneur. Ça fait baisser en fait tout attachement, toute vigueur aux choses de l'esprit. Si vous avez plus de joie, n'est-ce pas, vous êtes avec vos amis païens, quand ils parlent de leurs choses, vous êtes là, vous racontez, vous parlez. Et quand vous êtes au milieu des frères, quand on parle, en fait, alors on va évangéliser, vous êtes muets. Toujours en train de trouver des excuses. Voici ces chrétiens-là. Ce sont des faux chrétiens, ils ne sont pas convertis. Ils aiment le monde. Jean dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. C'est ce qu'il dit. Hein. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Cet évangile qui nous fait comprendre que le monde doit venir dans l'église pour gagner les jeunes, c'est faux. Jeunes, vous devez vous convertir. Que vous soyez jeune ou pas, vous devez vous convertir et vous conformer aussi à la parole du Seigneur. Ce n'est pas l'évangile à vous conformer à vous, mais c'est à vous de vous conformer, peu importe votre temps. L'évangile ne change pas, frère. De tout temps, les jeunes se sont conformés. Aujourd'hui de même, vous devez vous conformer. Si vous aimez le monde, ça ne vous engage que vous. Jésus-Christ n'est pas fait à votre mesure, je vous assure. Jésus-Christ ne doit pas devenir petit à cause de vous, c'est faux. Vous devez sortir du monde et vous conformer à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la conversion? Qu'est-ce que c'est que la conversion, frère? Qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est le message phare que nous prêchons. C'est le message central, aussi simple qu'il soit. C'est le message que Jésus-Christ a demandé aux apôtres de prêcher. C'est le message que nous voulons prêcher ce soir encore. Et que tous les véritables enfants du Seigneur prêchent ici et là. On prêche aux vieux, on prêche, n'est-ce pas, aux femmes, aux hommes, aux riches, aux pauvres. Il n'y a aucun autre message, frère. Ce message, on prêche, on le prêche aux jeunes. C'est quoi le message? Le message est simple. On va lire dans Actes 26. Acte 26, verset 17, merci. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. On marque d'abord une pause ici. On marque d'abord une pause là, merci. Nous sommes une race, nous sommes, n'est-ce pas, des personnes choisies par qui? Par le Seigneur. Du milieu du monde, du milieu des hommes, le Seigneur a fait un choix. Alléluia. Les chrétiens, les enfants de Dieu sont un choix qu'il a fait au milieu, n'est-ce pas, de l'humanité. Et ce choix-là, n'est-ce pas, il le fait sur vous. Ce choix-là, ne passez pas à côté de ce choix-là. Ne l'esquivez pas, s'il vous plaît, pour vous-même, si vous aimez votre âme. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Au milieu de tes amis, c'est toi qui l'as choisi. Ne dites pas, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es particulier à ses yeux. Vous voyez? Jésus-Christ choisit donc ta famille. C'est une grâce.
au milieu des païens vers qui je t'envoie. Il nous sort, il nous sauve. On avance, s'il vous plaît. Verset 18. Verset 18. Bon, je vais lire ici sur moi. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. Voici simplement le message qu'il faut prêcher. On ne coupe pas après d'autres révélations, n'est-ce pas, qui viendraient pour impressionner les hommes. Voici, simplement, il dit, je t'ai envoyé parmi les païens. Je t'ai envoyé dans le monde. Parce que il dit, vous n'êtes pas du monde, il nous sort du monde. Comment ? Eh bien, il y a une transition. Si votre vie n'a jamais connu de transition, je m'adresse en particulier à ceux-là qui ont grandi dans l'église. Ils ne savent pas à quel moment ils sont convertis. Aux enfants des pasteurs, aux enfants des anciens qui ont toujours été dans l'église. Vous voyez, il y a un piège pour vous. Votre vie doit avoir une transition. Vous jeunes qui êtes à l'église, n'est-ce pas, qui fréquentez les milieux des jeunes chrétiens. Je vous dis ceci, votre vie doit connaître, n'est-ce pas, un avant et un après. Vous voyez, il dit, pour qu'il passe à qui ? Il nous sort du monde, il nous sauve du monde. Comment ? En prêchant l'évangile. Voici la main que le Seigneur vous tend ce soir, vous qui écoutez ce message-là. Jésus-Christ, n'est-ce pas, par cette voix, je ne suis qu'un homme, un canal, qu'il utilise ce soir pour vous parler. Si vous vous écoutez pour la première fois, Jésus-Christ vous invite à faire quoi ? Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Par l'évangile, nous ouvrons les yeux pour vous faire comprendre que le monde dans lequel nous sommes là, n'est-ce pas, Satan aveugle les hommes. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'il vous fait remarquer que nous courons après les choses futiles. Je veux un téléphone, après un autre va sortir, après une chaussure, après, et toute votre vie passera. Et dit qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Remarquez ceci, frère. Tous ceux qui sont dans le monde, comme on l'a lu, aussi bien les n'est-ce pas ? Il dit, tous sont sous la puissance du diable. J'ai envie de vous dire, frère, ou vous qui m'écoutez, amis, auditeurs, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, une chose est sûre, c'est que vous êtes en fait sous le contrôle du diable. Que vous le voyez ou pas, que vous y croyez ou pas, laissez-moi vous dire que vous êtes sous la puissance du diable. Et Paul a reçu l'ordre, tout comme, n'est-ce pas moi, tout comme tous les autres prédicateurs, ils ont reçu l'ordre de vous enseigner que vous devez passer des ténèbres à la lumière. Vous devez passer, n'est-ce pas, du royaume de Satan, de son contrôle, à celui du Seigneur, par cet évangile, en y croyant, n'est-ce pas, en choisissant, n'est-ce pas, d'abandonner le monde. Vous voyez, vous devez sortir du monde et vomir tout ce que vous avez avalé du monde. Oui, tous les plaisirs, toutes les joies, là, vous devez les vomir au nom de Jésus-Christ. Parce que vous serez éduqués par les valeurs du royaume. Il y a tellement une opposition entre les valeurs du royaume et les valeurs du monde. Parce que qu'est-ce que le monde enseigne ? Ben, vous pensez que quand les hommes se mettent à voter les lois, c'est en vain ? Non. Le mariage pour tous, par exemple, ce ne sont pas des lois qui sont inspirées du Seigneur, ce n'est pas vrai. Ce sont des lois qui sont inspirées. Et le monde, n'est-ce pas, est plongé. Et de plus en plus, parce qu'on va de plus en plus voir des choses incroyables, impensables même. Il y avait quelques années de cela. Mais aujourd'hui, c'est tellement ouvert. La Bible dit que le diable, en fait, sait qu'il lui reste peu de temps. Et c'est pourquoi il accélère son plan. Il accélère son plan, frères et sœurs. Vous devez vous convertir. Vous devez vous convertir. Comment ? En acceptant l'évangile. Vous devez passer, vous devez sortir du monde. C'est l'invitation du Seigneur ce soir. Vous devez sortir du monde. Le vomir et abandonner ce que vous aimez, même en pleurant, je vous assure, c'est un combat fort. Parce que les jeunes que nous sommes tellement passionnés par les choses du monde, n'est-ce pas ? On a envie de paraître, on dit, on est encore jeune. Ah frère, vous êtes encore jeune. Certes, vous vieillirez un jour ou vous mourrez un jour. Frère,
votre jeunesse, à quoi vous aura-t-il servi? La jeunesse, ce n'est pas un temps où il faut faire le maximum de bêtises. C'est un temps où on fait le bon choix. C'est un temps où on vient tôt au Seigneur pour nous préserver, n'est-ce pas, des erreurs, des pièges du diable. Alors, je suis bientôt à la fin de ce partage et je voudrais attirer en fait l'attention sur les jeunes justement qui sont exposés au piège du diable. Vous ignorez qu'il y a un être qui, derrière le monde, il se cache, dans tout, il se sert de tout ce qu'il y a dans le monde, n'est-ce pas, pour vous tendre des pièges, pour vous perdre votre âme. Je me répète. Le diable se sert de ce que vous aimez. Il se sert du monde pour perdre votre âme, pour détruire votre vie. Car il est écrit que le diable ne vient que pour voler. En fait, il vient voler, il vient détruire. Il vient juste pour cela, dévorer votre vie, votre jeunesse, votre âme. Voulez-vous la perdre? À qui allez-vous vous en prendre, jeune homme? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des personnes qu'il expose, notamment des stars que vous idolâtrez, que vous aimez tant. Et il véhicule quoi? Le goût du monde, voilà, le plaisir du monde, vous voyez, un plaisir éphémère. Et ce plaisir-là, c'est un peu comme de la drogue, vous voyez, cela vous hypnotise, vous voyez. C'est un peu comme si vous étiez comme enivré, c'est exactement le mot, enivré par ces choses-là, par ces plaisirs. Et quand vous allez vous réveiller, il sera trop tard pour vous, vous allez vous retrouver dans le feu de l'enfer. Et je ne vous le souhaite pas. Vous qui m'écoutez ce soir, jeune, vous qui n'êtes pas encore converti, venez à Jésus. Vous qui êtes déjà converti et qui marchez tant bien que mal, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Je vais sortir en fait de ces moments en lisant un texte, voilà, pour conclure ces moments, dans le livre de 2 Corinthiens 6. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Je marque une pause ici, je marque un point. En fait, On ne peut pas réconcilier les ténèbres avec la lumière, voyez-vous. Quand les ténèbres sont là, il n'y a pas de lumière. Quand la lumière est là, les ténèbres en fait disparaissent. Mais vous avez des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui s'évertuent, qui se battent pour vouloir réconcilier les ténèbres avec la lumière. Ça fait partie en fait de la... ça relève, j'allais dire, de la sorcellerie, parce qu'aucun être humain ne peut faire cela. Mais vous avez des hommes en fait qui font tout pour vouloir prouver qu'on peut être dans le monde et vivre en tant que chrétien. On peut être du monde, on peut en fait voilà, être comme le monde et vivre en la vie chrétienne. C'est impossible. Il dit, ne vous mettez pas avec des jougs. C'est vous-même en fait. Ne vous mettez pas avec des jougs. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport? Il n'y a aucun rapport, frère, entre le monde et nous. Ah oui. Il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le verset suivant. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu, il sera mon peuple. Voici le texte en fait que je voulais ressortir. C'est écrit. C'est pourquoi sortez. Alléluia. Nous voulons voir des jeunes qui sortent du monde. Alléluia. Parce qu'ils sont en marche pour le ciel, parce qu'ils vont vers où le Seigneur les dirige. Nous avons la vision du ciel. Nous voulons voir des jeunes en fait consacrés, n'est-ce pas, qui sont séparés du monde.
Nous voulons voir une génération nouvelle se lever. Alléluia. De la même manière que Daniel pouvait être à Babylone, mais il n'était pas un Babylonien, il le savait. Daniel avait la crainte de Dieu, il avait les principes du royaume. La Bible dit qu'il a refusé de se souiller par les mains du roi. Nous voulons voir des hommes et des femmes différents du monde. Quand on les verra, on saura que oui, ceux-là, ils ont été avec Jésus-Christ. De la même manière que Paul et Pierre, Jacques et Jean ont été transformés en côtoyant Jésus. Nous voulons voir des jeunes, n'est-ce pas, qui respirent la crainte de Dieu, qui sont dévorés par le zèle du Seigneur. Nous voulons voir ces jeunes-là véritablement. Nous voulons voir en fait des jeunes qui ne feront plus semblant. Il y a une différence. Le Seigneur dit, il va faire une différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Oui, des jeunes mis à part, des jeunes, n'est-ce pas, avec une onction terrible. Nous voulons voir une telle génération où la jeunesse ne sera plus assimilée à l'orgueil, n'est-ce pas, à la vantardise. Non, nous voulons voir une jeunesse responsable. Nous voulons voir une jeunesse mature. Parce que ce n'est pas l'âge, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui rend mature. Nous voulons voir cette jeunesse-là. Il dit, sortez du milieu de nous. Nous devons sortir, frère. Nous devons sortir de la mode. Nous devons sortir du péché. Nous devons sortir du sport. Oui, frère, il est temps de vomir ces choses-là et s'activer. Le temps est court, nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons sortir, en fait, du sport. Nous devons sortir, en fait, du cinéma, de la distraction. Il dit, sortez du milieu de nous, frère. Parce que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à faire comme tout le monde. Tous nos amis, tous nos camarades, nous ne sommes pas appelés à faire comme eux. Frère, parce que l'Esprit du Dieu vivant repose sur nous, parce qu'il y a l'éternité qui nous attend, frère, nous devons préparer cela. Et pendant ce temps, nous devons travailler sérieusement et valablement, dignement pour le royaume, pour notre Père Céleste, pour notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, séparez-vous, frère. Il faut qu'il y ait une séparation entre le monde et nous. Il faut qu'il y ait une séparation, frère. L'heure est venue. Séparez-vous. Et non seulement cela, il dit, ne touchez pas à ceux qui est impur et je vous accueillerai. Oui. Frère, à quoi sert-il de faire un don si celui à qui tu donnes va rejeter? Et il dit ceci, pour qu'il vous accueille, pour qu'il vous reçoive, vous devez vous séparer. Oui, c'est une condition primordiale, préalable. Si vous ne vous séparez pas, il ne vous accueillera pas. Et c'est ainsi que beaucoup ne sont pas accueillis. Êtes-vous accueillis? Vous êtes-vous séparés du monde? Il est sorti du milieu d'eux. Même s'il vous faut, vivre seul, même s'il vous faut vivre, n'est-ce pas, incompris, même s'il vous faut vivre haï, rejeté, frère, cela vaut la peine, frère, parce que ceux qui iront au ciel, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui seront passés par là. C'est un chemin étroit, dit le Seigneur, un chemin étroit, et peu sont ceux qui passent par là. Alors que, n'est-ce pas, le chemin large et la porte spacieuse, beaucoup entrent par là, ils seront perdus. N'allez pas avec la masse, frère. Retirez, sortez-vous, faites le sens inverse. Voici, n'est-ce pas, le chemin pour aller au ciel. Faites le sens inverse du monde. Allez dans le sens contraire, même s'ils se moquent de vous. Ne vous laissez pas séduire par les moqueries, effrayées ou intimidées, je vous assure. Vous perdrez votre âme inutilement. Parce qu'en enfer, chacun méritera, n'est-ce pas, sa sentence, sa sanction. Vous n'accuserez personne, ce n'est pas votre ami qui vous force. Vous avez la volonté, vous avez le libre arbitre, frère, de refuser de vous compromettre, de refuser la souillure, de refuser l'amour du monde, de rejeter ces choses-là et d'aspirer aux choses d'en haut, d'aspirer à la crainte de Dieu, frère. Jeune homme, c'est cela, en réalité, que le Seigneur veut pour vous. Oui. Qu'est-ce que cela vous sert d'être nombreux en enfer avec les... Non, en enfer, vous n'aurez pas le sentiment d'être nombreux, vous serez seul. Vous aurez le sentiment d'être seul. Et ce temps-ci est un temps sérieux. Pourquoi? Vous n'avez pas le temps d'écouter ce qu'on vous dit. Je vous assure qu'en enfer, vous aurez tout le temps. Mais il sera trop tard pour vous. Vous aurez tout le temps d'enfer. Il dit, sortez. Je voulais vraiment finir. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Voici les chrétiens. Voici, frère, le chemin que nous devons emprunter. Sortir du monde. C'était le message que je voulais partager avec vous ce soir. Et c'est le Seigneur, en fait, qui a parlé sans ses paroles directement. Il disait en priant que vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Vous voyez? Donc, les valeurs que le monde, n'est-ce pas, véhicule à la télévision, dans les discussions ici, là, par les médias, etc. C'est quoi? C'est l'orgueil, la vanité. C'est quoi, en fait? Ben, c'est le plaisir. C'est quoi? Ben, c'est juste ces choses-là, voilà. Mais c'est quoi les principes du royaume? Ben, le Seigneur, en fait, appelle à la mort à soi. Les valeurs du royaume, c'est la justice. Les valeurs du royaume, c'est quoi? C'est l'humilité, c'est le renoncement à soi, vous voyez?
c'est le fait de donner sans intérêt. C'est voilà un peu. En fait, le monde fait la promotion, n'est-ce pas, individuelle, vous voyez, de s'accomplir, se chercher. Non, le Seigneur, en réalité, c'est tout le contraire. C'est de servir les hommes et non d'être servi. Ce n'est pas d'écraser les hommes. Bref, les principes du royaume s'opposent de front aux principes de ce monde-là. Et Jésus-Christ nous invite, jeunes, n'est-ce pas, à sortir du monde. Soyez bénis, soyez encouragés. Le Seigneur Jésus-Christ nous garde en fait dans la foi. On se dit à jeudi prochain. Amen.